sur les plages du bord de la mer intérieure, le parc du bord de mer, on trouve des œuvres exposées. Ces œuvres sont faites pour s'effacer dans la nature et dévoilent différents aspects au fil des saisons, incitant les spectateurs à prendre de nouveau conscience de leur environnement naturel. Sur Naoshima ont lieu un grand nombre d'activités artistiques que l'on nomme dans leur ensemble Naoshima, site artistique de Benesse. Au cœur de celle-ci, on trouve la maison Benesse, qui repose sur le concept de la coexistence entre la nature, l'architecture et l'art. Elle mêle la nature de Naoshima à l'architecture de Tadao-Ando. On y expose ici les œuvres des artistes qui ont créé pour Naoshima. Pour penser la nature et l'homme, a été créé le musée Chichu, situé au sud de Naoshima. Celui-ci expose des œuvres de Claude Monet, Walter de Maria, James Turrell. La restauration des demeures traditionnelles, le projet Maison où des artistes vont faire renaître une maison sous forme d'œuvres d'art, et le salon archive Honmura s'inscrivent tous dans ce lieu où le rythme de la nature et de l'histoire résonne avec l'art et la création.